Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture, petite ouverture, mais de grande enveloppe. Voilà, j'ai eu ça à mon courrier et ça me vient de ma copinette Sandrine, Fleur Scrap 17. Tu m'avais dit un petit courrier, c'est quand même une grosse enveloppe, hein. En tout cas, merci beaucoup. Tes tampons, ils sont trop beaux. Elle m'a fait des petits tamponnages partout. Franchement, c'est trop beau. Et du coup, elle a marqué nos mécas, fragiles, etc. Apparemment, ils ont tenu parce qu'elle n'est pas du tout abîmée. Enfin, l'enveloppe n'est pas abîmée ni rien. Donc, voilà. Donc, nous allons l'ouvrir et découvrir ce qu'il y a dedans. Je suis curieuse parce que c'est marqué fragile et tout. Donc, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Hop, alors. Déjà, hop, la petite carte. Hop. Alors, la carte. C'est super bien présenté. C'est super joli. Hop, que je fasse attention parce qu'il y a l'adresse derrière. Trop joli. Hop, je vais ouvrir comme ça parce qu'elle a mis son adresse derrière. Et je vais essayer. Voilà. Hop, je mets l'enveloppe tout de suite. Ah non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui glissait dedans. Alors, du coup, hop. Oh là là, elle est trop mignonne. Oh, c'est trop joli. Regardez. Oh, elle est trop belle. Trop belle. Oh, j'adore. Oh là là, c'est trop mignon. Oh là là, trop beau. Hop, il y a ton petit mot derrière. Oh bah écoute, ça a valu le coup de patienter parce qu'elle est vraiment trop jolie ta carte. Je l'adore. Oh là là là, c'est tout est tellement... Oh là là. J'adore quand tu scrapes. Tu devrais vraiment prendre le temps, un de ces jours, d'ouvrir une petite chaîne pour nous faire des petits tutos, nous montrer ce que tu fais, même sans que ce soit en tuto. Parce que des fois, c'est vrai que ça fait peur l'idée de se dire, oh là là, mais moi, je ne saurais pas faire des tutos. Mais au fond, on n'est pas obligé de faire des tutos tout de suite. Hein, on peut juste expliquer comment on a fait. Hein. Parce que franchement... Oh, il est emmêlé parce que c'est toujours mais tellement joli ce que tu fais, tellement minutieux, tellement le scrap comme j'aime. Voilà, ça y est. Non, mais regardez même les petits détails, les petites fleurs, regardez, tout est joli, c'est tout, c'est trop beau. Et la gorgeous que tu as colorié, et tu l'as plastifié. Ah oui, tu l'as passé à la plastifieuse, je pense. J'aurais pas pensé, en fait. En tout cas, ça fait super joli. Trop beau. Ça fait comme si tu avais embossé... Ouais, ça fait comme si tu l'avais embossé à chaud, en fait. Avec de la poudre clear, en fait. Tu l'aurais toute coloriée. Ensuite, hop, avec la Versamark partout. Ensuite, de la poudre clear, hop, chauffé, et en fait, ouais, ça fait ça. À part que là, c'est plastifié des deux côtés. En tout cas, c'est super joli. Merci beaucoup. Toi aussi, passe une bonne journée. En tout cas, la mienne, c'est sûr qu'elle va être belle, hein, parce que franchement, oh, je suis trop contente. Hop, non, je vais mettre comme ça, là. Je vais la poser, hop. Oh, c'est trop joli. Hop, elle comme ça, elle est là devant moi. Oh, c'est trop joli. Alors, petite création fait main avec un cadre de récupération. Ok. Pour ta petite collection. Hop. C'est quoi pour ma petite collection? Hop. Une petite ATC peut-être. Oh oui, regardez, elle est trop jolie. J'adore. J'adore
Ton style de scrap, en fait, j'aime bien les couleurs que tu choisis, j'adore. Et puis, vous connaissez mon amour pour les petites fleurs et les mini-strass, donc tout y est. Donc, c'est une ATC, le printemps arrive, c'est la une sur trois, et tu l'as fait le 9 décembre, le 9 février, n'importe quoi. Elle est trop, trop jolie et elle a sorti à la carte, hein, toutes les petites fleurs et la même couleur. Hop. Là, voilà, j'enlève l'enveloppe. Là, tu m'as mis plein de petites découpes de fleurs. Alors que j'ouvre. Voilà, regardez, hop. Alors, comment on dit? Oh ben si, j'ai un papier comme ça de couleur là qui traîne. En plus, ta bande, hop, elle est assortie, dis donc, ton washi. Alors, oh merci, tu m'as mis plein de petites découpes de feuillage blanche. Blanc plutôt, du feuillage. Hop, il est trop, c'est trop beau. Regardez, c'est tout fin, j'adore, j'adore, j'adore. Là, là, hop, là, 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 hop, là, hop, ça, c'en est une autre, c'en est une autre. Ah oui, c'en est une autre. Je croyais que c'était les mêmes que là, mais non. Voilà, celle-là. Comme ça. Cela, là. On va les mettre comme ça de côté. Cela que vous avez déjà vu. Voilà. Là. Hop. C'est les mêmes. Ensuite, cela. Là, c'est les mêmes, c'est la même. Là, c'est rigolo parce que les fleurs, en fait, ça, on dirait des têtes qui rigolent. Hop, et voilà. Voilà encore celle-là. Trop, trop cool ça. Plus c'est blanc, comme j'aime les découpes blanches. En plus, j'adore les feuillages comme ça blanc. Je trouve que pour ben des fois, vous mettez sur une carte rien que deux petites branches blanches et que, avec un petit texte, et comment déjà ça fait beau. Hop, tout remettre dans mon petit papier. Regardez, vous voyez, là, vous mettez sur un petit... rien que ça, comment déjà ça fait joli. En tout cas, merci, merci beaucoup. Hop là. Je vais remettre bien là-dedans. En tout cas, il est très beau ton washi. Vous voyez, ça fait vraiment, on dirait que c'était fait exprès pour mettre avec ce fond de carte. Et ensuite, là, vous avez des petites fleurs. Alors, je ne vais pas défaire, hein, parce que les petites fleurs, c'est les mêmes qui sont là. Hein. Vous avez les toutes petites, hein. Voilà, vous avez ceux-là, voilà. Et celles-là, elles sont là. Et là, c'est pareil, à part que là, elles sont en blanc. Et là, elles sont en couleur, hein. Voilà, vous avez les mêmes que celle-là. Celle-là, elle est en grand. Et là, vous les avez un tout petit peu plus petites. Là, c'est plein de petites fleurs. Oh, je vais quand même vous en défaire un peu quand même. Ah. Okay, j'y arrive. Je ne vais peut-être pas tout sortir. Hein. Je vais juste sortir quelques-unes. Vous voyez, il y a des petits modèles comme ça, comme celui-là, là. Hop. Celui-là. Et les autres modèles, c'était comme ça. En fait, c'est la même que celle-ci, mais en plus petit. Voilà. Et vous avez celle-ci. Hop. Il y a des coupes aussi de celle-là. Celle-là, c'est celle qui est ici. Voilà, c'est la même que là.
Et après, je crois que c'est toutes comme ça. Elles sont toutes comme ça. Voilà. C'est de couleurs différentes, mais elles sont ces trois modèles-là. Voilà. Et là, là-dedans, c'est pareil. Hein. C'est les mêmes modèles. En tout cas, merci beaucoup. C'est trop, trop gentil. Hop. Là. Et là. Voilà, je vais tout mettre. Et toujours, vous voyez, toujours super joliment emballé. Voilà. Et je vais mettre ça là pour l'instant. Voilà. Regardez. Après, toujours une belle présentation. Il est très joli ton truc en haut. Super joli. J'adore ça. Ça va, je vais laisser dehors parce que ça va aller dans mon, comment dire, dans mon classeur. Alors, petite création faite à la main. Donc, allez, je vais découvrir. Ah, quand même, j'arrivais pas à l'attraper. Alors, hop. Là, on enlève ça. On enlève ça. Voilà, et... morceau là, voilà. Alors, tant. Oh, ah, scrappé passionné. Oh là là, regardez, scrappé passionné de 72 cartes. All Elena tuto ATC Kiss. Causerie, balle, trop cool, d'épée. Je vais l'accrocher dans mon atelier. Oh, c'est trop joli. Ça, c'est sympa comme tout. C'est, oh, et puis, toutes les petites branches que tu m'as envoyées, elles sont là. Ça fait très joli. Le fond rose, évidemment, comme j'aime. Ah, ça fait très beau. C'est bien ton bricolage, en fait. Bah oui, ça, c'est le dos c'est le dos des blocs trois couleurs de chez Action, non? Et t'as ton poney fleur scrap. Regardez, ça fait super joli le dessin derrière, en fait. Mais j'adore. Écoute, vraiment, je ne sais pas quoi te dire. À part merci, c'est trop gentil. Et je vais l'accrocher à mon mur dans l'atelier. Trop mignon. J'adore. Ça, c'est... ouais, c'est une bonne idée. Ça, comme ça, ça protégeait. Et franchement, il n'est pas du tout abîmé. Ils ont bien fait attention. Ils n'ont pas plié, pas tapé, ni rien. Génial. Bah, écoute, Sandrine, je te fais des gros bisous. C'est trop beau, mais franchement, t'es... Enfin, après, j'en doute pas, hein, parce qu'à chaque fois que tu m'envoies des trucs de fou, hein, et c'est toujours tellement joli, tellement fait avec délicatesse. Hein. Tout ce que j'aime, en fait. Voilà. Est-ce qu'on voit bien... Oh là là, j'adore. Je n'arrive même pas à voir si vous voyez. Non, mais regardez comment c'est joli comme tout. Hop. Non, reste ouvert, la petite boîte. J'adore. Trop, j'adore ces cartes comme ça. J'en ai déjà fait, mais j'y pense. Des fois, c'est ça, là. C'est ces côtés-là que, du fois, je ne sais pas trop quoi mettre. Et c'est pour ça que, des fois, bon, je ne fais pas. Mais quand, chaque fois que j'en vois de fait, je suis toujours en extase. Je trouve que c'est vraiment très beau. Bah, écoute, merci. Quant à vous, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ma petite vidéo.
Et surtout, dites à Sandrine, fais une chaîne, fais une chaîne, fais une chaîne, parce que c'est trop beau ce qu'elle fait. Voilà, allez, bisous, bisous.